Ouais, t'es dans un coin et y a pas de palette. Ah si. Très bien, il n'a pas utilisé de... de Eddard. Il va peut-être l'utiliser là pour aller à droite, vite fait, mais il va faire un slow volt. Voilà. Il aurait dû faire un léger détour pour avoir plus de vitesse au niveau du saut. Là, c'est très problématique pour lui parce que... hein? La chaise flottante non identifiée. Il a eu ce qu'on appelle un slow volt, c'est-à-dire qu'il est passé assez lentement en ayant passé lentement la fenêtre. Comme la hitbox du survivant fait que elle est encore effective. Oui, mon bon monsieur. Oh, elle est encore effective tant que t'as pas mis le pied au sol. Voilà. Oui, mon bon monsieur. Donc voilà. J'espère que les autres réparent des moteurs pendant ce temps-là, histoire que les deux restent en bas, tu vois. Dire que je ne campe pas, tu sais quoi. Petit white. On va casser les... hein. Voilà. C'est quoi? C'est les 4% qui ont fait ça? C'est 4%, je suis obligé de le laisser en vie. Je crois que ce sont les 4%, hein. Je crois que c'est le 4%. Je vais pas le récupérer. J'adore. C'est vraiment délicieux. Sans les 4%. Si j'ai l'occasion, faut que je laisse en vie le Dwight. Il semble qu'il a réussi les 4% à se décrocher tout seul. Merci. Sayume Sensei. Merci pour les 35 mois. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour ton soutien. Ah, ça valait le coup hein, quand même. Hein. Ça valait quand même le coup. Il mérite tellement pas le droit. Je suis d'accord. Il mérite pas, mais on a un gentleman agreement. C'est-à-dire que il réussit les 4%. Pour moi. Je suis obligé de le laisser en vie. C'est vraiment un code d'honneur hein, que j'ai moi dans DBD. Hein. Quand je vais pas rester à côté. Dwight, donc c'est le personnage en rouge, qui a réussi à se sortir. Il a 4% de chance. Quand tu as accroché pour la première fois sur un crochet, tu peux tenter de t'en libérer à 3 reprises. Tu n'as que 4% de chance de t'en libérer. Et comme c'est quelque chose de trop rare à mon goût, vraiment, ce que je fais, c'est que je laisse vivre quoi qu'il arrive. Moi, si on arrive à la fin de la partie, je laisse vivre le survivant. Parce que c'est trop bien, en fait. C'est trop cool, les 4% de chance. C'est trop oufissime, en fait.
Et là. Et c'est pour moi. Vraiment un gentleman agreement. Et oui. J'ai ma compétence, sombre dévotion, qui fait que quand je touche l'obsession, quand je blesse, mon aura de terreur est transférée à cette personne. C'est ce qui s'est passé. J'ai touché Mekaela, je l'ai blessé. Donc mon aura de terreur a été transférée. Donc... elle a cru que c'était ok. Parce qu'elle est revenue en fait, ici. Et j'ai aussi Discordance maintenant qui s'appelle, je crois. Attends, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Merci Skogali pour les 19 mois, merci infiniment. Très très grand merci à toi. Merci beaucoup. Très très grand merci à toi. Mais c'est pas possible! C'est super cool ta part. Donc là j'essaie de voir où est-ce qu'ils sont. En traversant la map, si je passe à côté d'un survivant, j'ai un signal. Ah. La nuit tombe sur tierce lieu. On m'indique que le moteur le plus avancé est bloqué par ma perque une fois que un moteur se fait réparer. Et le French ? Enchanter. Les loups-garous se réveillent. J'ai entendu quelque chose. Ok. Ici, il y a des gens. Juste là. Juste là. Ils vont sortir par ici. Est-ce que vous êtes cachés? Ah! J'ai vu derrière la... le mur. Mais c'est pas possible! Oh, caché en plus. Ça va super bien, Elias. Je te remercie. Suivant! Suivant! Compliqué cette map? Non. Le jeu a évolué, le jeu évolue chaque... chaque trimestre. Oh, comment allez-vous? Il n'y a pas d'art, toi. C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Alors, je vais l'accrocher, c'est mon obsession. Donc, ce qui va se passer, c'est que mon aura terreur est sur elle. Donc, je peux me déplacer, l'aura terreur est au centre. Je vais voir s'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Ils sont deux. Doit être, je suis obligé de le laisser en vie. Car c'est la vie que j'ai choisie. C'est la vie que j'ai choisie, c'est totalement... on sait qu'il y a quelqu'un là. Hein. S'il est resté dans le coin, c'est une erreur de sa part. Donc, on va vérifier s'il y a encore quelqu'un. En se téléportant. Il y a quelqu'un en bas.
au-dessus de notre tête. Salut Serena. Donc on va prendre les escaliers. Ok. Comment ça va? Pas à l'aide pour rien. Bien. On va continuer. Ça va super bien, Serena, j'espère pour toi aussi. C'est le profil, hein. Si elle a une lampe, c'est le profil du dédard. Hein. Bien joué. Non. Oh. Mais c'est pas possible. Mais sans déconner, faites... Je peux même pas, regardez. Je peux même pas faire mon défi. Je peux pas faire. Ok, ouais. On va essayer de le traquer en couvrant la zone du coup. On va voir qui fait quoi. En face, il y a plein de... Ouais, il y a un bug, c'est-à-dire que je pouvais pas le récupérer. Le glyphe, alors que c'est mon défi. Hein. Elle a fini de se soigner. Donc il est pas tout seul. C'est le profil, hein. Il a une lampe. Il m'a tout l'air d'être le genre de joueur. Oh! C'est un bon move ça. Hein. Palette. Non. C'est un bon move. C'est un très bon move. Hein. Non, non, c'est pas de bol, c'est pas de bol. Un, deux. Ok, c'est fire. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est bizarre quand même parce que des moteurs avancent, mais genre pas aussi vite qu'ils pourraient. Merci pour les 11 mois, merci beaucoup. Ketatombas. Très très grand merci à toi. Merci pour ton prime, merci d'avoir choisi ma chaîne. C'est adorable, merci beaucoup pour ton soutien. On sait qu'il y a des gens ici. Au milieu de la map. On le sait. Parce que ma téléportation l'indiquait. Et donc on sait aussi... gens qui auraient tendance à se cacher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se téléporter en face pour voir. Voilà. Ils sont dans le coin. Mec, et c'est toi que je vais laisser en vie là? Pas à l'aide pour rien, sinon c'est pas l'endroit. Elle était bizarre, cette dédarbe. Je vais être obligé de te laisser en vie, hein. Une tristesse infinie. Tout ça parce que t'as réussi les 4%. Quand je me téléporte dans un casier alors qu'il y a quelqu'un, je le chope directus. Tous direct. Quoi? Attends, elle est où le... Voilà, toi, je peux, toi. Exactement, je l'attrape direct. Pam, 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 palette. Qu'est-ce que tu fais? Elle est partie tout droit. Palette. Voilà. Petite qui va bien.
Petit ralenti malheureusement. Pour lui j'entends. Saut. On a quelqu'un qui peut lui sauver la vie là. On a quelqu'un qui peut lui sauver la vie, mais qui a décidé de se concentrer sur le moteur. Donc on va poser quelqu'un ici. On va avoir notre septième hook. Avec la nécessité... de laisser malgré tout en vie le Dwight. Dans ce moteur qui... Avancez pas, nous avons surcharge, hein, franchement, qui fait le taf. Hein. Qui ne s'appelle plus surcharge, qui s'appelle discordance off course. Enfin, ça s'appelle pas discordance off course, vous avez compris. Quelqu'un va le libérer. J'ai vu les airafters. Ah voilà. Si tu libères, c'est pas le bon plan. Hein. Par contre, je vais te suivre. Je vais pas rester à camper, j'espère qu'un deuxième va venir. Et tu t'es un peu fait gauler. Mais... Ok. Voilà ce qui se passe quand on trouve quelqu'un dans un placard. Et qu'on apparaît à l'intérieur. Est-ce que c'est assez bien illustré ? Il y en a deux qui sont là. Je ne sais pas ce qu'il fait, lui. On va l'utiliser. Le pire mate qui a une immunité diplomatique, mon gars. Discordance. Le pire mate qui a une immunité diplomatique. C'est-à-dire que le mec, il va rester en vie en étant... un boulet, bah, il sera un boulet jusqu'au bout, c'est-à-dire que bah, je vais quand même, malgré tout, l'utiliser pour ralentir les autres s'ils veulent. Voilà. J'ai pas de radar. Ils peuvent le lever. Ils peuvent. Bah, il a une immunité diplomatique, le gars. Voilà. On sait. Ils sont là. Et qu'il y en a deux. Et en plus, il a utilisé la palette pour l'autre. Donc l'autre est coincé. Il est de sang. C'est-à-dire qu'il a utilisé tous les bonus. Il a utilisé tous les bonus. Je passe à côté de lui. Je suis obligé de le laisser vivre. Quelle tristesse. C'est quoi ce Dwight, fils de diplomate intouchable? Bah ouais. Je pense que le mec devrait monter une entreprise au Delaware. Je pense qu'il y a un truc à faire. C'est curieux. Je pense que... Ils ont fait de groupe de 1, mais même pas. Nulo ça. Ouais. Il me dépite. Et voilà. Salut. Approche-toi. Viens. Viens. Viens, ici. Viens. Pokémon. Merci, oh. Merci beaucoup. Ouais, de moi. Très très grand merci à toi.
Merci beaucoup pour ton prime. Hein. Je vais lui laisser la trappe. Il a réussi les 4%, je suis obligé. C'est... C'est le pire. Franchement, j'ai de la peine dans mon teammate. J'ai de la peine dans mon teamplay, je vous jure. Aïe aïe aïe.